Mesdames et messieurs, chers invités, à vos titres, grades et qualités. Permettez-moi tout d'abord de vous remercier sincèrement la population de la région de Tawa qui, malgré les multiples occupations, a bien voulu réserver un accueil chaleureux digne de la légendaire tradition des peuples de la DER. Je voudrais aussi, à cet instant solennel, transmettre à toute la population de la région de Tawa les salutations fraternelles et chaleureuses du président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, Son Excellence le général de brigade Abdourahmane Tchani, qui a bien voulu nous confier une mission au niveau de votre région. Cette mission, nous ne pouvons l'accomplir honorablement sans votre soutien. C'est pourquoi je vous exhorte à travailler résolument pour atteindre les objectifs qui nous ont été assignés. Votre région est une région très vaste, avec des défis sécuritaires majeurs qui, pour les régler, une franche collaboration est nécessaire. C'est le lieu ici de demander à l'ensemble de la population de la région et surtout la jeunesse un soutien sans faille pour relever ce défi. Enfin, je voudrais une fois de plus demander à l'ensemble des couches sociales de travailler avec nous main dans la main pour que au mieux de réaliser cette mission. Enfin, dis-je, je terminerai mes propos en lançant un appel aux cadres de la région de se mettre au travail dans une franche collaboration pour permettre la sauvegarde de notre patrie. Je vous remercie de votre aimable attention. Merci.